to your favorite modern world. Bonjour tout le monde. Yarmamoy vient de Rome et joue du rock progressif. Un duo formé d'Alex et Daniele qui, contrairement à nombre de leurs compatriotes, ne se complaisent pas dans le rétro-progressif, mais plutôt dans un prog cinématique alternatif. Ils restent, malgré leur talent et 5 albums magnifiques, assez méconnus dans la sphère progressive, peut-être parce qu'ils n'ont pas conservé la même voix au fil des années. En 2013, Serena chantait sur Old Trip. En 2016, Serena, Sarah et Irene chantaient sur Silence Between Sounds. Puis, de 2017 à 2021, Sarah devenait leur chanteuse avec 2 albums, The Day Is Done et Room 101. Enfin, en 2023, pour Strings From the Edge of Sound, l'album dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un homme qui reprend le pupitre laissé vacant, Valerio Sgarghi. Strings from the Edge of Sound est-il bien un album d'ailleurs? Parce que ce dernier disque reprend 5 anciens titres de leur répertoire. Oui, 5 pièces, mais totalement réinventées pour l'occasion. Tout d'abord avec la voix de Valerio, des arrangements à cordes, numériques mais réussis, et une réécriture de chacun des morceaux qui les réinvente sans les dénaturer. D'ailleurs, je vais vous présenter les 4 petits nouveaux morceaux. Black Hole Era, long de près de 8 minutes, qui se partage entre guitare acoustique, arrangement à cordes, chant et chœur. Une magnifique manière de découvrir le style de Valerio, qui au final est assez raccord avec la technique de Sarah, même s'il ne possède pas du tout le même timbre. Tell Me, au refrain stellaire, joue beaucoup plus sur les claviers et les arrangements orchestraux de Daniele, rejoint par la guitare flaudienne d'Alex vers la 5e minute. I'd love to find you far from here. Dans I Will Come In Your Dreams, Valerio se fait crooner sur les notes de piano de Daniele. Un bel interlude épuré qui se poursuit en apothéose orchestrale avant de revenir au piano. Enfin, le court titre Strings from the Edge of Sound termine l'album de manière cinématique orchestrale, avec un texte quasiment parlé. Alors si l'album est réussi dans son ensemble, il pêche cependant par sa durée. Je décroche régulièrement à partir du long format Zeilusman. 12 minutes qui manquent de dynamique pour tenir sur la durée, et ce malgré les cordes et un final instrumental qui relance pourtant bien la machine. Malgré ce petit défaut, je vous recommande chaudement Strings from the Edge of Sound. Si vous ne connaissez pas Yarmamoy, c'est une belle entrée en matière dans leur discographie. Si vous avez déjà écouté le groupe, c'est une agréable manière de découvrir leur nouveau chanteur. Tous leurs albums sont sur Bandcamp, alors n'hésitez pas. C'est fini pour cette semaine, mais nous nous retrouverons lundi prochain pour une nouvelle chronique. Comme toujours, vous pouvez cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette chronique et si vous voulez suivre les prochaines, eh bien abonnez-vous. Bisous !